La FSGS, c'est la Fédération Sportive Gay et Lesbienne. C'est en fait un regroupement d'associations gays et lesbiennes au départ. Ça fait 25 ans en fait que ça existe. L'idée, c'était de se retrouver, de se rassembler pour être plus fort vis-à-vis des pouvoirs publics, pour être plus visible aussi de l'ensemble de la société en général, pour lutter contre l'homophobie. Aujourd'hui, voilà, c'est 31 associations, bientôt 35, c'est 3200 adhérents, 40 sports. Et l'idée, c'est de continuer à faire du sport ensemble, de lutter contre les discriminations, en mélangeant, en brassant les populations à la fois gays, hétéros et friendly, on va dire. Le colloque que la FGL a organisé en collaboration avec l'Université Lyon 1 et l'Université de Montpellier, en fait, c'est la suite d'un colloque qui avait vu le jour à Lyon en 2006. Et l'idée, c'était donc 5 ans après de faire un bilan de la situation de l'homophobie dans le sport en France, comment l'homophobie est perçue par la société en général, comment les sportifs homosexuels vivent leur homosexualité dans le monde sportif. Alors, au-delà de ma présence en tant que directeur général de l'Institut, en tant que comme statut comme inspecteur général du ministère aussi, donc je voulais être présent aujourd'hui pour attester et témoigner de ce soutien que je souhaite le plus lisible possible et visible possible. On a à la fois un travail qui se fait de notre côté sur des réflexions que conduit le laboratoire, en particulier le laboratoire de sociologie. On essaie d'intégrer la thématique sur un certain nombre des sujets que l'on traite, qui ne sont pas toujours des sujets ciblés sur le thème sport et homophobie, mais qui peuvent être d'autres thématiques, mais sur lesquelles on essaye de prendre en compte la thématique liée à l'homophobie. Ensuite, c'est de faire un travail important en direction des sportifs lors des séances d'information qu'on a, à la fois les séances régulières, lorsqu'ils entrent dans l'établissement et dans les écrits qu'on leur remet sur ces thématiques-là, et puis dans les temps de formation des cadres pour intégrer. Je souhaite que ça fasse le plus possible d'ailleurs en liaison avec des associations telles que la vôtre pour que ça ne soit pas des gens qui auraient une maîtrise insuffisante du sujet qui interviennent, mais qu'on puisse le faire progressivement à l'occasion de formation des cadres, notamment des cadres supérieurs du sport et notamment des entraîneurs. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles on intervient, mais ça me paraît important. Bien, alors, je suis très content d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais là il y a quelques temps avec Sylvain Ferrez qui est ici, à propos d'un colloque qu'on a organisé dans cette même salle sur la naissance du mouvement sportif handisport, grâce auquel donc, ces lieux ont été créés, puisque c'est une création de la Fédération Handisport qui a son siège social à côté. Et je trouvais très intéressant le fait qu'on soit là pour un second colloque national autour de la question du sport, de l'homosexualité et de l'homophobie, parce que c'est aussi le passage d'handisport à l'homophobie, c'est une question de prise en compte par le mouvement sportif des différences. J'interroge non pas la façon dont l'homophobie se traduit sur les sites et sur les forums, mais plutôt comment elle est devenue, l'homophobie sportive est devenue quelque chose qui est pris en compte par les grands médias français, et comment finalement on est passé d'un militantisme, d'un activisme, d'une forme d'intervention de groupes militants, ce qu'on appelle en sociologie de minorité active, à quelque chose qui s'est largement diffusé. L'image de la folle qu'on retrouve en littérature est une représentation récurrente de l'homosexuel dans la culture populaire de l'entre-deux-guerres. Elle ne saurait être transposée au stade que de façon problématique. Sur un corpus de plus de 200 fictions sportives que j'ai interrogées, moins d'une dizaine de textes s'intéressent à la figure de l'homosexuel sur cette période. L'absence de figure homosexuelle dans la littérature sportive est en elle-même significative. Bastion d'excellence, le sport fonctionne comme l'un des derniers refuges d'une masculinité en crise, assurant la production des nouveaux symboles de l'hégémonie virile. Il s'agit alors de préserver cette identité. Il faut finalement attendre les années 70-80 avec des auteurs comme Michel Tournier, Guy Lagorce, pour que la figure de l'homosexuel sportif ou du sportif homosexuel devienne véritablement un personnage à consistance narrative. This research was taken from football fans, message boards, from blogs, from websites, from fans forums over a 16-week timescale from February to May 2010. Of the 4,400 links, which were filtered to my computer,
totaling 8,000 threads containing homophobic and homophobia wording. The strap lines and headings then constituted no less than 1,500 of these, which were gay hate and anti-gay abusive nature. We can see that LGBT issues are topical in the news, and the amounts of homophobia found on these internet websites then escalates. Cette pratique de la philosophie comme exercice spirituel est donc présente dans toute l'Antiquité, dans la période hellénistique jusqu'à l'avènement chrétien, moment où la philosophie est en partie récupérée par la religion, notamment dans ses pratiques. Et cela alors devient tout simplement une discipline au service de Dieu. Toutefois, face à cette récupération même partielle, face à cette période théologique, que reste-t-il des exercices spirituels anciens ? La transformation de soi par le corps du gay chez Michel Foucault, même si son enjeu pourrait tout à fait dépasser les sphères pour atteindre celles hétérosexuelles, s'opère par un nombre d'expériences corporelles diverses. Celles-ci se retrouvent largement dans l'œuvre de Foucault, imbibées d'analyses sur le corps qui est modelé par le pouvoir, employé comme un instrument soumis à des normes qui touchent à la santé, à la beauté et au sexe. Ici, je travaillerai principalement sur les gays vivant avec le VIH, donc les hommes homosexuels vivant avec le VIH. Le diagnostic du VIH, ça entraîne des modifications au niveau individuel, donc dans la relation à son corps, dans son capacité à se projeter dans l'avenir, dans le fait de devoir gérer l'information sur sa séropositivité, et au final sur la crainte du rejet et de l'exclusion. Donc ça, c'est facteurs individuels. Des facteurs environnementaux, donc là, pour le coup, dans les activités physiques et sportives, des facteurs environnementaux qui vont soit favoriser la participation sociale, donc c'est-à-dire participer de la meilleure manière qui soit dans les activités physiques et sportives, et pour le coup, dans certains cas, dans le couple, soit provoquer des situations d'handicap, donc c'est-à-dire que les personnes vont, par exemple, freiner leur engagement ou l'arrêter, ou avoir un engagement qui est insatisfaisant. Il faut qu'on comprenne quel est le problème, par exemple, de la gestion de la visibilité, puisqu'on a parlé dans les autres espaces sociaux, pour montrer comment ça se passe spécifiquement dans le sport. Et pas l'inverse, pas penser a priori que le sport était bien et quelque part allait être l'outil miracle où allait se passer des choses formidables qui allaient changer la vie des gens. Quand on a le VIH, c'est un peu comme quand on est homosexuel, au départ. La première question qui se pose, d'où la problématique de la gestion de l'information, c'est: qu'est-ce que je rends visible? Qu'est-ce que je ne rends pas visible? À qui et de quelle manière? La gestion des capacités. C'est l'invalidité, la mort, la perte brutale des capacités qui reste l'imaginaire dominant. Aujourd'hui encore, même si on sait que le VIH est traité. Et cette période-là est plus ou moins courte ou plus ou moins longue. Période d'incapacité de projection d'avenir. Période d'impossibilité de sexualité. Période où toute pratique sociale, y compris sportive, perd du sens parce que je vais mourir demain, je vais mourir après-demain, et ce qui génère des états d'effondrement et de dépression psychologique aussi. Et le sport va devenir, vous allez voir, un outil important dans la manière, dans les trajectoires de soins. Il devient une espèce d'outil médico-social qui se greffe sur le temps où on commence à penser que la question, c'est pas la vie ou la mort, mais c'est de gérer ses capacités, de bien vieillir, de survivre, de s'entretenir, et tout ça va se greffer sur ce vécu primaire et, j'ai envie de dire, assez archaïque, de la confrontation directe avec la mort. La Fédération des Gay Games, la FGG, c'est une organisation internationale qui regroupe aujourd'hui, je crois, une quarantaine de membres. Par exemple, des fédérations LGBT sportives comme IGLA pour la natation, aussi des groupes locaux régionaux comme la FGL en France, des groupes multisports, et aussi des plus petites entités. La mission de l'FGG, la première, c'est de promouvoir l'équité pour les personnes LGBT à travers surtout l'organisation des Gay Games. Donc les Gay Games, c'est la plus grande manifestation sportive et culturelle ouverte à tous au monde. Y compris les JO, etc. C'est cette particularité, c'est que tout le monde peut y participer. Oui,
C'est une exposition qui est en France pour la première fois, qui s'appelle Against the Rules, Lesbian and Gays in Sports. Donc en français, ça donne contre les règles, les homosexuels dans le sport. Elle est entièrement en anglais. Elle a été conçue à la base en Allemagne par le club sportif de Janus de Cologne et financée par le ministère de la Famille et de la Santé et de la Jeunesse sur place. Et elle a été actualisée, traduite et financée par le GLSF, que nous remercions, donc l'European Gay and Lesbian Sport Federation, qui nous l'a confiée aujourd'hui. On a organisé ce colloque et on a bénéficié d'un soutien assez agréable de la part des pouvoirs publics et des institutions locales et nationales. C'est un bon motif de satisfaction. Ça prouve aussi tout le travail qui a été fait par la FFGL depuis de nombreuses années. Il y a un historique de 25 ans. Les choses prennent du temps. Il y a une reconnaissance qui est faite aujourd'hui par notamment le ministère des Sports qui nous convie au sein du comité de lutte contre les discriminations depuis maintenant 2 ans. Ce colloque, on a la chance de le faire pour cette deuxième journée ici à l'auditorium de l'Hôtel de Ville. C'est grâce donc au soutien de la mairie de Paris. Et je vous demande d'accueillir M. Jean Villermoz pour le remercier de cette participation, de cette collaboration. Évidemment, la ville est mobilisée dans des actions de lutte avec des partenaires engagés contre toutes les formes de discrimination. Moi, je souhaite qu'on essaye de l'amener dans tous les sports et pas seulement dans le football. Donc, il y a aussi des choses à faire, peut-être. Alors là, il faut les envisager dans les écoles primaires, dans les collèges. Et puis aussi au niveau des clubs. Donc, voilà, la balle est dans votre camp, je dirais. Faites en sorte que vous puissiez répondre à ces demandes. Et puis, puis on verra. Il y a aussi des possibilités de faire avec les éducateurs de la ville. On a mis en place maintenant une filière sportive qui est très active et qui peut aussi être sensibilisée à ces questions et qui peut aussi, à partir de là, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes qui sont sportifs dans la ville. J'ai décidé de vous tracer les grandes étapes du football féminin. On a fêté l'an dernier les 40 ans du football féminin. Moi, je fais partie des pionnières. Ce sont des joueuses qui ont commencé à jouer en 70. Ce qu'on appelle la deuxième vague des pionnières, parce que dans les années 20, pendant 20 ans, il y a eu du football féminin. On les a renvoyées dans leur cuisine et leur foyer très très durement au bout de 15 ans de pratique. Le grand souffle de 68 a libéré la parole des femmes, et notamment les petites joueuses de 15 ans. Moi, j'avais 15 ans, 14 ans même. Et soudainement, on s'est dit, tiens, et si on disait que nous aussi, on voulait jouer au football féminin comme les hommes? Mais ça, c'est vraiment lié à 68. Et du coup, plusieurs, des centaines de femmes, d'adolescentes comme moi dans France, ont sollicité des clubs masculins. La FFF, la Fédération Française de Football Féminin, a officialisé le football féminin en 70. Donc nous, moi j'ai créé le club de Juvisy, qui est quand même un des clubs phares dans le championnat de France, en 71. Il fallait être, je dirais, inconsciente à 14 ans pour s'attaquer à un bastion masculin qui est le football quand même. Ils nous ont quand même tout fait. C'est-à-dire qu'on a subi un sexisme absolument virulent. La FFF n'accordait aucun crédit au football féminin. C'était une secrétaire de la FFF qui faisait office de recruteur. Dans les clubs, depuis 2005, il y a eu une politique de mise en place de féminisation des joueuses. On a mis en place les journées de la jupe. On apprend aux joueuses à se mettre en jupe et à se maquiller. Des joueuses de championnat de France, quand même. Dans quel sport oserait-on faire ça? Derrière cette politique de féminisation, le terme qu'on entend régulièrement, c'est « on veut bien des femmes, mais pas de drôles de femmes ». Des vraies. Mais derrière, et ça, ce n'est pas dit, c'est du off. Derrière, on ne veut plus d'homosexuels en équipe de France. On ne veut plus d'homosexuels dans les clubs. Un des critères depuis 6 ou 7 ans pour recruter les joueuses dans les clubs et en équipe de France, c'est leur orientation sexuelle. Voilà, c'est toi. Après avoir participé comme athlète culturiste aux Gay Games d'Amsterdam, puis à Cologne, et puis comme juge aux Gay Games de Chicago, après avoir participé aux longues et inachevées discussions de la commission sportive de la Fédération des Gay Games concernant l'introduction des contrôles antidopage pour le culturisme, il m'est apparu intéressant de vous soumettre quelques réflexions sur les problèmes soulevés par la mise en place de ces contrôles et les formes de compétition qui ont été proposées.
En effet, la Fédération des Gay Games a posé comme principe que, d'une part, aucun athlète qui participe aux Gay Games ne doit faire usage de substances interdites, c'est-à-dire ce que j'appellerais le principe anti-dopage police. Et d'autre part, tout athlète qui utilise des substances interdites pour raison médicale doit pouvoir éventuellement participer aux compétitions, qu'appelle le principe d'inclusion. Au-delà des péripéties du culturisme au Gay Games, la question du dopage dans le sport fait toujours couler beaucoup d'encre. Et peut-être cette expérience peut nous amener à réfléchir de manière plus générale jusqu'où ne pas aller trop loin. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je dis tout de suite que je suis pour les contrôles dans le sport. Je parle des contrôles antidopage, mais aussi pour les conducteurs de voitures, les traders, les chirurgiens, pourquoi pas les hommes politiques, surtout en campagne. Before beginning my talk, I would like to contextualize the background which has brought me here today. I'm Latin American, born in a country in South America. I'm gay, and my parents belong to working class. I became a researcher because there are good public universities in my country. And by public, I mean that not only students don't have to pay this study, but also may get scholarships and other types of financial support to get the degree. My perspective is thus one of a person who belongs to the line below the equator, a place where gays, lesbians, transvestites, and other individuals have to face a daily fight for survive in a violent and unfair society that doesn't respect human rights, a place where LGBT sports do not exist as an institutionalized practice. Et donc on s'est simplement demandé dès le départ, est-ce que les sportifs sont oui ou non homophobes, tout simplement. Parce qu'on avait déjà des éléments de réponse, on n'avait aucun chiffre en fait, aucune statistique. Chez les hommes, si on cumule donc attitude ambiguë, négative et très négative, donc là vraiment une forme d'homophobie quand même très très caractérisée, on a 50% d'attitude négative chez les hommes. Donc ça fait quasiment un sportif sur deux qui se déclare homophobe ou du moins intolérant envers les homosexuels, gays spécifiquement, parce que les filles sont beaucoup mieux acceptées. Pour ce qui est des entraîneurs maintenant, donc la situation est, je dirais, plus positive dans le sens où aucun entraîneur n'a eu de déclaration très négative, que ce soit envers les lesbiennes ou les gays. On a quand même presque 30% d'entraîneurs qui déclarent des attitudes ambiguës toujours envers les gays. Pour nous, c'est intéressant en termes de formation parce que c'est vraiment sur eux qu'on va en fait pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément hostiles ni positifs, mais ils sont voilà, dans une démarche où je ne sais pas comment gérer ça si ça arrive ou je ne sais pas comment en fait l'accepter. Donc sur eux, vraiment, on va pouvoir travailler en termes de formation. En revanche, ce que je voulais dire peut-être, c'était l'évolution des réflexions par rapport au premier colloque qu'on avait organisé en 2006 à Lyon. Mais je trouve qu'il y a vraiment une évolution des réflexions, les thématiques ne sont pas les mêmes, et puis le niveau de maîtrise, je dirais, de l'ensemble des personnes qui interviennent, c'est considérablement élevé, et on est aujourd'hui capable de croiser un certain nombre de points, de changer de niveau de réflexion, d'analyser des éléments de réalité qui n'étaient peut-être pas prioritaires ou qui n'étaient pas pris en compte. Et puis aussi, par exemple, sur la question de l'homophobie, on a passé un cap dans la façon d'en parler. On n'est plus seulement sur la désignation de l'homophobie, de réalité, de propos, de comportement homophobe. On est aussi dans la façon de travailler à lutter contre l'homophobie. La société, effectivement, nous pouvons l'observer, mais en même temps, l'ensemble des choses qui sont produites travaillent à accélérer les processus sociaux. La façon dont la société est de plus en plus réceptive à un certain nombre de réalités, mais elle est plus réceptive parce que ces réalités, on met le doigt dessus, on les montre, on en parle. On est réceptif à ne pas laisser les choses se faire sans réagir et qu'au bout du compte, des personnes militantes, comme le sont la plupart des gens qui sont ici, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément militantes, vont s'approprier des questionnements généraux. L'enjeu qu'il reste à produire, à mon avis, qu'il reste auquel il va falloir répondre, c'est sortir du cercle des initiés. C'est sortir du cercle des gens qui sont déjà préoccupés par la question, qui déjà travaillent sur la question, qui déjà sont impliqués dans une lutte, par exemple, contre l'homophobie, pour aller vers d'autres cercles. Donc, là aussi, il me semble qu'il y a des pistes à emprunter, mais ce n'est pas propre à la question de l'homophobie ou à la place de l'homosexualité dans le sport. On se pose exactement la même chose quand je travaille sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou quand on fait des réunions, des colloques,
alors qu'il y a des études de genre, alors qu'il y a des universitaires beaucoup plus nombreux et beaucoup plus nombreuses qui travaillent sur la question, des fois, on n'est pas plus nombreux que ça. Et puis, juste pour terminer, peut-être que le prochain colloque, si on le fait dans 5 ans, ce sera peut-être comment le sport a-t-il réussi à lutter contre les discriminations. Et puis, voilà, ce sera une bonne chose. Bon, rentrez bien, amusez-vous bien sur les terrains de sport, et puis à bientôt.